Organe de contrôle des normes pour personnes à mobilité réduite. J'arrive. Inspection surprise. Est-ce que vous êtes doté de rampes d'accès, monsieur ? Bah oui, pour faire passer la marchandise avec les chariots. D'accord, donc ici, les personnes à mobilité réduite transitent par la même voie que la marchandise. Vous notez, Pénélope ? Très bien, Barnabé. Excusez-moi, est-ce que vous avez une prise pour que je puisse recharger mon iPad ? Oui, dans mon bureau, juste ici. Merci. Mais on va poursuivre la visite, hein ? Ça, je me disais, on est d'accord que la poule, c'est la femelle, et le coq, c'est le mâle. Vous êtes en place ? Ouais. Je vous ouvre la porte. Alors, le poulet, c'est quoi ? Transsexuel. Parce que chien, chiot, chienne, bah toi, c'est assez simple. Mais dans le monde de la volaille, c'est quand même beaucoup plus complexe. Ah, pas ça, explique-moi juste un truc. Parce que j'ai toujours pas compris pourquoi rose. Ah, mais c'est plus flashy, tu vois, pour Instagram, c'est bien. T'es en train de foutre un grain. Chut. Ce soir. T'habites dans une camionnette. Ouais. Attends, mais j'ai quand même des idées là. Ferme-la et concentre-toi. Ok. Pas grave. Moi qui venais de télécharger American Pie 3. Là, il nous faut un numéro de référence. Sinon, ça va pas le faire. Ok, je vais voir ce que je trouve. L'interrupteur, il est pas accessible. Voilà. On poursuit ? Alors, Simon ? Ah, je l'ai. La référence est AS322B. Quoi ? AS322B. AS pour Air Sleeper. AS322B. Ok, t'as entendu, Tigger. Je les ai pas, celles-là. Regarde. Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Il nous faut un truc plus précis. Une rangée, une colonne, mais on va pas commencer à se taper toutes les boîtes. Regarde, Philippe. Des baby baskets. Couille tout, couille tout, couille tout. Alors ? Oui, mais là, j'ai rien de plus. Hey ! Salut, Simone. Hey ! Bah qu'est-ce que tu fous là? T'es plus au magasin? Non. Non, je travaille dans les bureaux maintenant. Car je suis... travailleuse de bureau. Ouh là là! Tous ces mails! En tout cas, ça te va super bien le tailleur. Sinon, tu peux m'imprimer la feuille de route? Oui. Écoute Simona, va vraiment falloir que tu nous aides parce que j'en connais un qui va clamser. C'est une... Bah, je peux pas voler des pompes avec un mec qui canne des baskets. Oui, bah, je fais ce que je peux. Hein ? Hein ? Non, rien. La feuille de route, oui. Alors, peut-être que si je tape route... ou feuille... Bah, tu veux pas demander à Serge, ça ira plus vite. Serge ? Hein ? Serge ! Serge, bah non. Serge, là, il est très, très occupé. Oui, je vous l'avais dit. C'est toujours compliqué pour moi. Ouais, bah pour moi aussi. Le mieux, c'est de voir tout ça avec ma patronne, parce que moi j'ai du travail, je dois y aller là. Oui, bah en attendant, si vous pouviez vous taire, parce que j'ai du mal à me concentrer, hein. Bloc. Ah, c'est trop stylé. Tiens, Tigger ! J'ai trouvé ! C'est qui le ballon ? Putain, lâche ça ! Mais si, lâche ça !
Simone. On a trouvé la rangée. Yes. Ah, t'as trouvé? Oui. Non. Non. Désolée. Bah, elle est là. C'est là, c'est là. C'est vite. Ouais. Simone, ça fait pas. Chier. Bah, pourquoi? Non, pour rien. Bon, je dois y aller. Tu me passes les slippers? Quoi, les air slippers? Bah oui, le gros carton, là. Ce carton qui est derrière moi depuis tout à l'heure. Ouais. Allez. Oui. Mais tu sais quoi? Je dois passer à la boutique. Donc t'emmerdes pas, laisse-les-moi, je m'en occupe. Puis toi, pendant ce temps-là, t'as qu'à aller faire un divertissement de chauffeur-livreur. Comme par exemple... boire. Bon, t'es gentil, mais je vais pas au magasin. Je dois les amener à la soirée. Quelle soirée? Bah, la soirée de lancement des Air Slippers. Ah ouais? T'es pas invité? Pas classe. Moi, je t'aurais invité. Surtout avec ton tailleur. Bon, allez, faut que j'y aille. Hé, tu sais ce qu'on dit, hein? On retire Simone! Hé, attends. Faut que je tamponne la feuille de route. Ah bah oui. Oui. Bah, tu me tamponnes pas? Si. Ok, les gars, changement de programme. Non, t'es sérieuse? Et les portes ne sont pas au nord. Là. Tiens, on se casse! On n'a pas vérifié les ampoules, hein? Attendez, les ampoules, parce que j'ai vu là tout à l'heure, elles n'étaient pas, pas tout à fait aux normes. On ne se rend pas compte, mais c'est un gros problème. Parce que la dernière fois, eh bien moi j'ai été... Bah, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous foutez là? Hé, Jean-Pierre, pour ton anniversaire, tous ensemble, nous buvons un autre verre. Et Jean-Pierre, à nouveau les plus sincères. Jean-Pierre, ta-da-da-da-da. Eh oui, Jean-Pierre. Ferme ta gueule. Jean-Pierre, pour votre anniversaire, votre femme a pensé à vous. Nous sommes dites-le-aux-chansons.com. Je m'appelle pas Jean-Pierre. Oh, bah oui. Ah, oui, Jean-Pierre Dupont, c'est l'entrepôt au Varme de Miss. Ouais. Alors on attend, on va vite aller chanter dans... Bien sûr, vas-y, viens. Allez, on y va. Au revoir. Ça, c'est ma carte. Voilà. Bon, et ben, moi je vais vous laisser aussi. Merci pour la visite et puis, bah, bon anniversaire, hein. Merci. Derrière. Superman! Oh, mais mène-toi! Bah, et je fais comment pour descendre, moi? Et monter? Bah, viens me chercher! Et voilà, c'est bon. Ah, je vous l'avais dit, personne ne me... Quelle putain d'opportunité! Père de Airstipper, en fait, vous venez de foutre ma vie en l'air. T'as besoin de combien pour te foutre truc? 50 000. Voyez-vous, elle va parler! On saute dans la voiture et boum boum! Faut signer cette camionnette! Putain d'opportunité! On saute dans la voiture et boum boum! Il est ouf, lui! Non, il est juste con. Je crois que je me suis cassé les baskets.